Hier soir, c'est à Madiana qu'avait lieu le temps fort des rencontres cinéma Martinique. La production Eloa Prod de France Obda organisait l'avant-première du téléfilm Meurtre en Martinique, La malédiction du volcan. Donc j'aimerais demander aux comédiens déjà de nous accompagner. Une exclusivité pour remercier les figurants, techniciens et tous les acteurs de cette aventure. Le réalisateur Philippe Nyon. Lorsqu'on fait un film comme ça, on le fait vraiment pour les gens aussi, on le fait pour le public martiniquais, on le fait pour que les gens soient contents de voir ce qu'on a fait et d'avoir les retombées, les remerciements, dire aux gens qu'ils ont participé à une aventure. Et pour nous, c'est capital, surtout que l'endroit, le lieu où ça se passe, c'est quand même la Martinique. La diffusion est programmée pour la rentrée prochaine. Cet après-midi, à l'Atrium, les réalisateurs Gilles et Lydie Kozak, Dany Kouyaté et Thomas Lilti ont échangé sur le réel et la fiction dans le cadre des tables rondes. Et c'est justement Thomas Lilti qui sera à l'honneur demain soir pour la projection de son film « Médecin de campagne ». Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore deux médecins sur le canton. Un sujet qui aborde notamment la désertification des médecins libéraux en milieu rural. Et tout seul. C'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, j'ai moi-même été, je suis médecin, j'ai moi-même fait beaucoup de remplacements en médecine rurale. Et voilà, c'est un métier qui est un artisanat, qui est un métier d'une grande force et d'une grande importance dans la cohésion sociale et qui malheureusement disparaît de nos campagnes. Je crois que c'est un problème qu'on retrouve aussi outre-mer. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là, c'est vous. On a en Martinique des désertifications dans le Nord-Caraïbe, le Nord-Atlantique et dans le Sud. Alors, pour un jeune qui sort de l'école, quand il arrive dans nos cabinets et qui voit un petit peu l'activité d'un médecin, j'allais dire, de famille, il est très surpris et il ne pensait pas que c'était si difficile. Oui, je sais, je suis en retard. La relation privilégiée du médecin traitant avec son patient est très forte en Martinique. Vous faites partie, quelque part, un petit peu aussi de la famille. Vous prenez soin d'eux, mais eux prennent aussi soin de vous. Le film l'expliquera très bien. Médecin de campagne, ça ne s'apprend pas. C'est quoi ces canards? Ils ont voulu m'attaquer, hein? Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul. C'est risqué, mais ça vaut le coup. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi? Pour ceux qui voudraient rester dans la thématique africaine, c'est à la salle France Fanon de l'Atrium que ça se passe. Tout le programme est sur le site rcmfilmfestival.com.